Bonjour et bienvenue dans Axiom, où le jeu est passé en anglais. Pourquoi ? Parce que la traduction, des fois, elle semble pas très bon. Et donc, on reprend. Allez, sortez-moi de notre œuf. Donc, l'idée, c'est que là, je vais essayer de finir progressivement tout ce que j'ai de map qui est accessible. Pourquoi est-ce que je suis passé en anglais ? Parce que je voulais lire ça, en fait. Instructions. Manipulate reality with encoded strings. Use menu. Ça m'aide pas plus, hein. Je pense que c'est sa référence ça, mais ça m'aide pas plus. Quoi qu'il en soit. C'est quoi ces symboles en haut à droite? Là, il y a un symbole violet. Là, il y a un symbole jaune. Et c'est tout. Est-ce que ça correspondrait à un truc qu'on aurait fini dans la zone? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est là. On va essayer de découvrir le maximum de la map là où on est, puis on va descendre et progressivement faire ça pour essayer de savoir où aller, parce que j'avoue que je sais plus trop, là. Donc tant qu'il y a des trucs à faire, on va continuer, puis quand on se déplacera de bout de map en bout de map... On peut pas retirer tant qu'on n'a pas retouché le sol. Donc quand on se déplacera de bout de map lointain en bout de map lointain, ben on avisera au niveau du... comment on fait le truc. Donc là, je pense qu'il y aura rien là-haut, c'est juste que la zone est rectangulaire et que c'est comme ça. Voilà. C'est donc ça. Non, toi tu reviens sur ça, merci. Donc, on pourra pas choper le bout qui est tout là-haut pour l'instant. On va voir en juste la salle en dessous. Ça se trouve, il y a une porte sur la gauche qu'on n'a pas vue et on peut y accéder, quoi. Ça peut être aussi con que ça, hein. Bon, pas par là, manifestement, parce que là, c'est cul-de-sac. Aïe. On fait moins mal avec ce rayon, hein. Enfin, peut-être que je recommence à utiliser mes vraies armes. Donc, on passe par là. On va, hop. Voilà. Ensuite, alors on va utiliser un peu ça. Très pratique. Raté. Parfait. Non. C'était ça que je voulais faire. Merci. Ok, bah alors déjà, là, il y a une note. On n'est pas vu pour rien. Enfin... blablabla, Euclide, machin, du, Tétosin, donne du. Il n'y avait pas de code, ça ne m'intéresse pas. Et là, on a appris un petit trick, qui est de faire juste ça, en fait. En fait, le drone, quand on le lance, on peut choisir de le faire péter quand on veut. Et du coup, c'est pratique. Et voilà. Donc on a eu toute la map, et non, il n'y a pas de petit passage. Il n'y a pas de porte qu'on n'aurait pas vue. Donc on continue. Il y a un petit bout de map ici. Tout petit bout en bas à gauche qui n'est pas fait. Donc on va y aller. Sans trop se fatiguer. Je pense qu'on va passer par là. Oh, vas-y, charge. Fais-toi plaisir. Ouais, je devrais arrêter de tanker, mais en même temps. Voilà, là, c'était juste qu'on n'y a pas été. Voilà, il va rien y avoir de spécial. Donc, dans cette zone, il nous reste la partie en bas où on peut pas, où on peut effectivement pas aller, et la partie à droite où on peut pas aller non plus. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste? On va essayer de... C'est compliqué de... On va essayer dans la partie violette de choper des trucs. Il y a des bouts de map qu'on n'a pas fait. C'est pas très loin. Allez. Peut-être qu'on pourra au moins remplir la carte. C'est tout ce que j'espère. Ok. C'est en bas qu'on va. Eagle.
Ça ne sert à rien. Voilà, direct à gauche. Ça, c'est facile. Voilà, et là, peut-être que... il y aura un truc, quelque part. Ouch. Non, apparemment... c'est pas par là que ça va se passer, hein. Toi, tu dégages. On peut faire ça. Merci. Donc, là-haut, il nous manque un bout de salle, mais je pense pas que ce soit transcendant non plus. Ok, on va juste le refaire. Histoire de bien être sûr, mais non, je pense qu'ici il n'y a rien. Là-haut, il n'y a rien. La salle avec la grosse abeille, peut-être qu'on peut y trouver quelque chose. Allons voir. Petit bonus, mais ça fait pas de mal, hein. Pas vu pour rien, au moins. Hop. Bon, on reprend. On n'est pas très loin de toute façon. Attaque ces bestioles ici. Bestiole chiante. Voilà. Pardon. Donc nous on va... bah tout en haut en fait, hein. Non. Merci pour la vie. Pas chiant les mobs. Allez, vas-y qu'on est venu pour rien, tu vas voir. Hop. You. Ouais. On est venu pour rien. Prochain passage en bas, la salle qui a plein de cases pas faites. Des accélérations du temps. Ok. Ah, ouh, non, 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 pas tombé là, pas tombé là. Ah, bordel. On est plus là-dedans. Non. Encore une arme. Ok, c'est une Gatling à glace. C'est intéressant. On va essayer un peu pour voir ce que ça vaut, hein. Ça vaut rien. Ça tue pas les ennemis très vite et du coup c'est galère. Voilà. C'est con, hein. Il y avait le potentiel pour être bien.
Tu devais être l'élu qui ramenait l'équilibre dans la force. Eh ben non. Nananère. Les gamins, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Hop, hop, ça m'intéresse. Donc, là-haut. Apparemment, pas grand-chose. Ou si, il y a quelque chose. Ça va être rigolo à attraper. Mais il y a quelque chose. Ça avait l'air d'être une grosse seringue, donc ça doit être peut-être de la vie ou peut-être autre chose. Ouais, ok. Donc ça, c'est pas cool. Il faut vraiment que je prenne... Parfait. C'était compliqué comme manœuvre. Cause mutation at max health. Encore ? Du coup, je me demande... Je serais curieux de voir ce que ça donnerait comme nouvelle mutation. À max health, comme on dit. On va continuer à juste faire ça pour voir. Et je doute qu'il y a encore trop d'autres surprises par là. Eh, on n'est pas venu pour rien. Bon, par contre, cette salle, cette zone, on a à peu près tout torché. Donc il reste vraiment que la... celle-là. Ou tout en haut, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire qu'on n'a pas encore faites. Enfin, qu'on pouvait pas faire avant. Mais je vois plus que ça en fait. Et c'est embêtant. Que ça ressemble à la fin du jeu, quoi. Donc on va voir. D'abord, on va prendre un point de sauvegarde, voir si on a des nouvelles mutations rigolotes. Ce qui devrait être le cas. On a trouvé un Bioflux Accelerator. D'ailleurs, est-ce qu'il apparaît dans le menu? Ouais. On a le premier. Et le deuxième. Alors, sauvegarde. Petit moment d'excitation. Ouais, j'en ai deux de plus. Super. Ouhou. Bon. On va avancer, hein. Alors on peut pas aller là-bas. Mais on a progressé sur qu'est-ce qu'il fallait faire ici. C'est tout en haut qu'on va. Oui. Ah, le montage il va être rigolo parce que je sais plus ce que j'ai dit que je le ferais à quel moment. Mais c'est pas grave. Ah, ouch. On passe par là, hein. Après, les deux bras de plus, ça fait qu'on tire deux fois plus vite, hein. C'est sans doute bien, quelque part. Bon, après, on tire deux fois plus vite des machins qui font pas de dégâts, quoi. Peut-être ça aussi qui fait que je suis pas ultra excité par le truc. Mais peut-être que quand on a genre un troisième, c'est bien, hein. S'il y a un troisième. Après, je dis qu'elles font pas de dégâts, elles font quand même... j'ai l'impression que c'est quand même pas négligeable, hein. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Aïe. Voilà. Même pas il m'a vu, l'autre. Ok, donc.
dernier espoir de savoir quoi faire dans ce jeu. Dernier espoir qui nous dit... Alors déjà, ici, il y aura il y a quelque chose. Ok, donc toi... Ok, t'es vachement plus solide que ce que je croyais en fait. C'est bizarre cette histoire. Non. Il y a clairement un truc là en haut à droite. Après peut-être que... Non, faut pas que je... Non, je peux retirer la boulette quand je suis dessus en fait. Non, je peux pas. Si, j'ai pu tout à l'heure. Il semblait que j'ai pu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi est-ce que c'est long ça? Il y a quelque chose là-haut, hein. C'est... Et ce truc-là est pas là pour rien. Malheureusement. On n'a rien trouvé. Et si on fait ça... Donc rien n'affiche. Ok, ok. Là, par contre, on peut faire quelque chose. Ok. Donc. Ok. Sérieusement, tu me fais tout ça juste pour m'amener sur un cul-de-sac. Sérieusement. Ah, ça m'énerve. C'est n'importe quoi. En plus, ça, je vois pas avec quoi je peux le... C'est pas avec une arme que ça va passer, hein. Ok, on est venu là pour rien. Encore. C'est rageant, ça. Y'a pas un truc qu'on pourrait faire quelque chose genre... Non. Littéralement. Rien. C'est un gate, c'est un truc pour vérifier qu'on a des items après, donc ça se comprend, mais... Le problème c'est que là, moi je crois que j'ai un peu plié toutes mes possibilités en termes de salle, quoi. Alors là, y'a plus rien à faire, là y'a plus rien à faire, là y'a plus rien à faire. Là, il y a plus rien. Point quelque part là-bas. T'es perdu, mais ça peut pas être ça. C'est pas un des premiers boss qu'on a affronté, ça. Non, pas un des premiers, mais pas loin. Vous savez quoi? Voilà.
Il y a un moment, il n'y a pas de raison de faire l'économie de nos moyens. Ça marche très bien comme ça. Et donc là, est-ce qu'on aura moyen d'aller faire un petit tour là-haut pour voir ce qui s'y va? Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. C'est pas un truc transcendant. Et je vois pas comment... Ah oui, je vois comment on va y aller. Au grappin. Ok. Ça marche à peu près. Ok. Donc on est techniquement pas venu pour rien. Mais on a quand même pas vraiment trouvé la suite du jeu. Là je suis un peu... Écoutez, on va s'arrêter là. Et puis on va d'abord trouver un point de sauvegarde bien sûr. Et puis on verra bien parce que là... Je suis même pas sûr que j'ai besoin d'aller sur un point de sauvegarde, parce que quand je quitte, en fait, le jeu, il sauvegarde, donc... théorie, c'est pas... c'est bon, du coup, mais... Vous savez quoi, ça fait traditionnel, les points de sauvegarde. Mais là, j'ai aucune idée d'où je pourrais aller, en fait. Et ça va compliquer un peu la suite de l'exploration. Très franchement... s'il n'y a plus que des murs, c'est compliqué. Surtout, on va faire le montage de cette vidéo et de la précédente. Ça va être compliqué aussi. Ouais, en fait, j'ai pas besoin de faire ça, parce que quand je fais ça, ça sauvegarde. Allez, à la prochaine, où j'espère qu'on aura de nouvelles idées.